Cela fait plusieurs années que je porte ces vêtements. C'est une ligne assez classique que j'aime beaucoup. Le travail est bien fait. J'aime beaucoup son style, la façon de couper les robes. Moi-même, j'aime m'habiller. Et le domaine de du prêt-à-porter, de l'art d'abord, me convient particulièrement. Voilà. Et on est les soirs, son épouse et leur fille sont aussi des amis. Et nous avons beaucoup apprécié leur manière d'être, leur savoir-faire. Alors, lorsque je parle de manière d'être, il y a d'abord l'homme, l'être humain. C'est un homme de cœur, c'est un homme attentionné, c'est un homme qui prend le temps de vous écouter et avec qui nous arrivons à lui faire ce que nous souhaitons. Alors, c'est ce qui nous a encore davantage rapprochés. Je suis Madame Birland, Monique. J'habite les Les Roses. J'ai eu l'occasion de découvrir la maison Ornelsois chez une restauratrice en Bretagne. Lorsque j'étais au restaurant, la restauratrice portait une très jolie veste. Je lui ai demandé qu'elle s'habillait. Elle m'a dit rue Réaumur à Paris, chez la maison Ornelsois. Et depuis, je suis cliente. And what he's doing here today is part of his achievement, which he longed to achieve it for a very, very long time. It took him good 20 years to achieve what he has displayed today. And as the Malaysian ambassador here, on behalf of the Malaysian citizen, I'm very, very proud of his achievement, certainly. And we really thank the French government for recognizing his expertise, and now that his expertise is being preserved, recognized by the French government, this is something that Malaysia is very proud of. For at least we can now contribute to the rest of the world of Malaysian expertise. In other words, gradually, one by one, the latent talents of Malaysian is surfacing now in Paris. You know very well is the world of fashion, and I hope from there it will further expand not only to the rest of the world but more so in Malaysia.